Salut les cyclos! Saboum, vous adorez certainement faire des petites balades à vélo, le dimanche ou pendant les vacances, parce que vous voulez diminuer votre empreinte écologique, faire 30 minutes d'exercice tous les jours, ou tout simplement économiser du temps et de l'argent. Et alors là, ce serait bien d'aller au boulot à vélo. Et puis, juste après, oh, c'est quand même loin, ça monte, oh, puis en plus il fait chaud, il fait un peu froid, hein. Je crois que j'ai un petit peu le pneu qui a dégonflé. Et puis je vais quand même pas aller à ma réunion en short. V-A-E. Trois lettres qui vont changer votre vie à tout jamais. Vélo à assistance électrique. Couleur, design, sport, urbain, utilitaire, autant de critères pour une multitude de modèles. Mais est-ce vraiment avantageux? Bah, le fonctionnement d'un vélo électrique, c'est une assistance au pédalage. Donc ça veut dire que si on ne pédale pas, on ne va pas avoir d'assistance électrique. On est quand même obligé de fournir un effort. Si on ne fournit pas d'effort, fatalement, on n'a pas d'assistance. À l'heure actuelle, le trafic est tout le temps engorgé. Donc c'est une bonne alternative, le vélo électrique, par rapport à la voiture. Tout va dépendre de ce que le client y recherche. Donc est-ce qu'il recherche un vélo pour se rendre sur son travail, ou est-ce qu'il recherche un vélo plutôt pour son loisir, style VTT par exemple. La recherche principale du client, c'est de pouvoir avoir des éléments de sécurité dessus, que ce soit vélo confortable et avec quelques du style porte-paquet, l'éclairage avant, l'éclairage à l'arrière. Ce qu'ils veulent, c'est un vélo qui va être fiable, ils n'auront pas de problème avec. Et alors, ouais, avoir la plus grande autonomie, ça c'est souvent un facteur qui rentre en compte. Et voilà, c'est vrai qu'il y en a qui vont chercher un peu plus la nervosité sur leur vélo, d'autres qui vont chercher un vélo plutôt confortable. Donc ça va vraiment dépendre de leur utilité. Alors, les vélos à assistance électrique, ça commence à 2000 euros et on peut aller jusqu'à 10 000 euros. Tout va dépendre fatalement de l'équipement qu'on va vouloir sur le vélo, la performance qu'on va vouloir du moteur et la batterie aussi qu'on va choisir sur notre vélo. On peut rajouter des options directement dans un configurateur, ou alors nous on peut faire le placement directement ici sur place aussi. We were close.